Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je me lance sur une série de petites vidéos concernant le matériel photo que j'utilise. Là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas un appareil photo, non, c'est tout simplement des gants. Voilà, des gants qui sont bien pratiques par ce temps qui est très très froid. Comme vous pouvez voir, ce sont des mitaines. Je les ai achetés chez Decathlon. Ça fait un petit moment que je les utilise déjà. Ils sont très pratiques car on peut accéder très facilement aux fonctions de l'appareil photo. Voilà, regardez. Les gants sont étanches. On peut tout de suite se couvrir du froid en 2 secondes. Toujours maintenir l'appareil. On peut quand même appuyer sur le déclencheur. Mais il est quand même préférable d'utiliser en mode mitaine. Voilà, donc ces gants sont accessibles chez Decathlon. Voilà, j'ai aucun lien de partenariat avec eux. Je voulais juste vous faire partager le matériel que j'utilise. Là, ce sont les gants, là, ils sont vraiment très très pratiques. On peut les retirer facilement, on peut les enfiler aussi très facilement. Vous avez une petite cordelette pour les enfoncer et vous avez deux petites cordelettes sur les deux doigts ici. Vous tirez, vous avez juste à tirer comme ceci pour les tirer en 2 secondes. Voilà. Il y a un petit aimant magnétique. Voilà, il se colle très rapidement. Ils sont étanches. Voilà, j'ai fait un essai sous la pluie, aucun souci. Par temps de froid, ils peuvent protéger entre moins 8 et moins 14. Je les ai testés la semaine dernière, j'étais au sport d'hiver, hein, j'en ai profité, je les ai même utilisés pour faire du ski, sans aucun souci. C'était très pratique, je pouvais accéder à mon téléphone portable très facilement. Voilà, je vous fais une petite démonstration. Voilà, je les enfile. Et voilà, et là, en mode protection, le vent ne passe pas du tout. Voilà, c'est la série Fort Class. Le nom technique, c'est des Mitaine Trekking Montagne Trek 500 Noir. Chez Decathlon. Je vous conseille de les acheter assez rapidement parce qu'après ils vont les retirer, je pense, de la vente. Voilà, je vous remonte encore une autre fois. Je les retire comme ceci. Il y a le deuxième ici. Pour les assembler, il y a 2 clips. Voilà, c'est tout bête, hein, présentation rapide, ce sont des gants, hein, mais bon. Voilà, je voulais vraiment vous montrer pour le prix 16,99 €. Autant laisser les acheter rapidement, on a la garantie. On va chez Decathlon, il y a un problème, il y a une couture qui s'en va, on retourne en magasin, ils nous l'échangent, il n'y a pas de souci. Je les mets en situation, regardez, hop, avec le deuxième. Hop. Et voilà, je prends l'appareil photo. Et là, j'accède très facilement à tous les accès sans aucun problème. J'allume, je me sers du back focus toujours, j'ai toutes mes fonctions menu. Voilà, si je vais accéder à la partie cachée ici, caoutchouc, en plus j'utilise une coque silicone. Voilà. Très pratique, ces petits gants. J'ai même. Je vais vous montrer. Regardez, hop, je les retire. J'ai même acheté des sous-gants. Des sous-gants en soie. Normalement, ils sont dans la même série que les Fort Class 500. Là, c'est les sous-gants Trekking Montagne Trek 550 en soie. Ils sont là. Vous avez aussi la fonction tactile pour le téléphone. Donc là, je vais mettre le sous-gant plus le gant. Et là, on est paré pour des grands, grands froids. Voilà. Je remonte ma manche, c'est mieux. Je rajoute le gant.
et la protection optimale. Là, j'accède toujours aux fonctions d'appareil photo. Comme vous pouvez voir, on peut facilement toucher aux fonctions. Même avec les sous-gants. Petite vidéo de démonstration, sans aucun montage, comme ça, vite fait. Dites-moi en commentaire si ce type de présentation de produit vous intéresse, si je peux en faire d'autres. Je vais vous montrer des vidéos, des produits que j'ai achetés, que j'approuve l'utilisation, et d'autres où franchement l'utilisation est... ne sert pas à grand chose, hein, afin que vous évitiez d'acheter des produits inutiles. Il y a des choses qui se vendent sur Amazon et autres sites où franchement ça vaut pas du tout le coup. Vaut mieux conserver son argent, l'acheter à bon escient pour acheter autre chose, matériel utilisé, l'utilisation. Hop, vous voyez, je les retire très facilement encore. Hop. Voilà. Alors pour cette première vidéo, je voulais vous montrer, je voulais vous la faire en live, mais j'ai un problème de débit et ça m'embête un petit peu. Je voulais en même temps partager vos commentaires en direct, en vous proposant, en vous montrant les produits. Et ben, ça sera, j'espère, pour une autre fois. Merci et à très bientôt.